Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve. Attendez 2 petites minutes. Oui, c'est bon, ça marche. J'ai l'enregistrement, j'ai mon minuteur à côté. On se retrouve sur la map photoréaliste, hein, qu'on voyait. Là, ça va être moisson de blé. Hein, c'est notre dernier champ moissonné. Hein. On avait fait du pressage l'autre fois et je vais pouvoir en faire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière suivie, même si je la fais tout le temps en live et comme j'ai pas d'autres vidéos à vous proposer sur FS17 parce que les marques ça m'intéresse presque plus. Voilà. Alors, on va baisser le son déjà. Voilà. Et on va moissonner. Donc, aussi une autre chose. Désolé, ça va laguer. Je vais remettre les indications. Voilà, ça on s'en fout. Et voilà, donc. Aujourd'hui, voilà, comme j'ai pas d'autres maps, j'ai dit, comme il n'y a pas d'autres maps qui m'intéressent, il n'y a que celle-ci, bon, qui me donne encore envie, mais bon, FS17, à force d'y jouer, bon, je vous fais qu'une vidéo pour vous faire plaisir le mardi, parce que j'ai rien d'autre. Parce que parce que ça, on y fait le vendredi, hein, faut savoir que le dimanche, on fait sur. Là, on va finir les donuts pour. Pour dimanche, alors vous, ça sera passé pour moi, non, parce que ça sera ce soir pour moi, hein, ne vous inquiétez pas, ça sera en live le dimanche. Mais voilà, j'ai décidé de. J'ai décidé de quand faire une vidéo le mardi. Ça sera sur cette map pour l'instant, et puis si j'en trouve une autre, et ben. Peut-être qu'on se fera une petite carrière, on verra. On verra peut-être, mais pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Faut dire, il y avait la map de l'un, mais là on s'est vite lassé. Il y avait la map, je sais plus. Il y avait plein d'autres maps que j'aimais, mais bon, au bout d'un moment, voilà, comme Black Sheep, j'ai arrêté. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui moisson de blé, il n'y aura que de la moisson aujourd'hui, je suis un peu désolé. Hein. Ça sera. Alors attendez, j'ai mon portable qui s'est mis en veille. Donc voilà, et j'ai reçu un petit message. Oh, je sais ce que c'est. On va chercher. Et déjà on est à 3 minutes. Donc ce sera une vidéo courte de 15 minutes comme d'habitude. Voilà, j'ai décidé de faire entre 15 et 20 minutes. Voilà. C'est pas beaucoup, mais voilà. Je suis plutôt sur ETS2 en ce moment parce que ETS2 me donne encore envie, comme il y a le multi, comme j'ai acheté le jeu. Donc ça me donne encore mieux envie de jouer à ETS que à FS, hein, vous comprenez. Parce que au bout d'un moment, on se lasse. Donc là, il n'y aura que de la moisson. Peut-être dans la semaine prochaine. Alors, ce sera pas mardi, ce sera peut-être mercredi. Ça sera décalé parce que j'ai encore un rendez-vous. Il y aura du ramassage de bottes, peut-être. On verra comment ça se passe. Je sais que ce champ, les bottes, on va en faire quand même. Parce qu'il faut savoir, il y a deux entreprises. Bon, il y a mon exploitation. C'est-à-dire que j'ai repris. Hein, faut se mettre un petit rôle tout le temps. Et le massé que vous avez vu sur la vidéo à d'avant, donc que j'étais en train de presser avec la crone, n'est pas à moi, hein. C'est l'ETA. L'ETA ont racheté le concession et ils ont fait leur ETA ici quand moi j'ai racheté la ferme avec le matériel qu'il y avait. Donc le massé n'est pas à moi, c'est à l'ETA. Il y aura certains trucs qu'on fera appel à l'ETA.
Donc vous verrez beaucoup de matos qui viendront de l'ETA, parce qu'ils ont peut-être les moyens. Comme ils viennent juste d'emménager, ils n'ont pas tout le matos encore, donc ça va arriver. Ils ont peut-être renouvelé certains matos. Moi, vous voyez, j'ai ce tracteur-là, j'ai la barre de coupe et la moissonneuse. Donc la moissonneuse, je vais peut-être la vendre pour faire. Ça sera peut-être l'ETA qui le fera. Donc. Donc voilà. Donc je vais vendre un peu de blé pour m'acheter un tracteur un peu plus puissant qui sera pour la ferme. Parce que le Fendt, je vais pas le garder longtemps non plus. Parce que celui-là, je vais le garder. Je vais le revendre et acheter un autre qui sera du valet de ferme. Parce que celui-là, il doit avoir 1 ou 2 heures. Et la mouse batte, elle a quand même 3 heures dans son compteur quand même, et elle a fait quand même 6 hectares parce que j'ai fait une partie, etc. Donc voilà. Donc j'essaye de vendre un peu de blé. Bon, la rendement est pas terrible. J'ai vendu une benne ou deux d'orge. Bon, il me restait un peu de champ à faire, on avait fini en live. Pour ceux qui veulent suivre la carrière en live, c'est tous les vendredis soirs entre 17h et 20h. Nous c'est nous c'est voilà et le dimanche c'est sur une autre map donc voilà donc me dites pas dans les commentaires ouais mais il faudrait que tu achètes ci tu achètes ça même en live je vais vous dire c'est ma carrière je choisis des fois je vous poserai des questions ça c'est sûr de vous dire ben qu'est-ce qu'on achète qu'est-ce qui serait moins cher qui serait plus rentable donc là on n'a rien on n'est qu'une ferme céréalière on débute on est tranquille je suis sûr qu'il y a des champs d'herbe donc on va peut-être faire des moutons ça va être rentable. Qu'est-ce qui va nous permettre d'acheter un peu de matos? Peut-être par la suite on revendra les moutons pour acheter ou on vendra quelques moutons puis des vaches etc. parce que la ferme où j'y suis c'est une ferme à vaches donc pour l'élevage de vaches vous avez compris hein. Donc j'ai vendu pas mal de matos, j'ai que le tracteur et la benne et que la mouse batte avec la barre de coupe et son porte-coupe. Oui c'est maigre, mais la moissonneuse je vais la revendre, ce que je pensais la garder mais non, je vais la revendre, ça sera l'ETA qui moissonnera le champ, ben, c'est l'ETA qui me prêtera le véhicule pour que je puisse moissonner les champs, etc. Et si vous voulez qu'on fasse un peu plus de réalisme, ben dites-moi dans les commentaires, par exemple, les prix pour du matos, pour une ETA, quand ils viennent travailler, combien c'est de l'heure, combien c'est. Voilà. Ou la location, par exemple. Donc voilà. Parce que là, ça sera que des véhicules achetés. Hein. Les coûts d'entretien, ça va être pour ma pomme. Hein. On ne peut pas faire moitié-moitié. Hein. Il n'y a pas un compte en banque ETA et compte en banque céréalière. J'aurais bien aimé jouer en multi avec vous. Hein. Mais le problème pour l'instant, c'est que c'est une version claquée. Pour effet 19, je promets que vous allez venir en multi. Mon portable, c'est encore machiné. Je surveille mon champ et j'ai des mails. J'ai quoi? Alors, ça on s'en bat avec. Et ça, on va l'enlever aussi parce que. L'autre, il va m'envoyer la notif. On est à 9 minutes. Là, je vous fais très très court parce que j'ai une personne qui va venir aussi. Donc, je vous la ferai très très courte la vidéo. Et ça se peut d'ici quelques temps, vous ayez beaucoup de vidéos d'ETS. C'est-à-dire, je vais faire des vidéos en avance sur ETS. FS, pour l'instant, il n'y aura pas d'avancement. Donc, il y aura FS 19. Donc, voilà. Alors, j'ai vu quelques. On a vu le trailer pour certains, je pense que oui. D'autres ont vu une photo d'Energie 5
sur le site officiel. Là, il commence un petit peu m'intéresser le jeu. Là, pour l'instant, je me dis, mais c'est pas encore ça. Moi, il me faut une preuve du vrai jeu. Parce que là, c'est une, bon, là, c'est une photo du jeu. Hein. Il nous montre la jolie moissonneuse Fen, là, je crois. Ouais, Fen noir. Hein. Et ils ont modifié le graphisme. Le moteur graphique. Donc, c'est nickel, c'est propre. Mais moi, ce que j'attends, c'est vraiment le comment s'appelle le alors désolé, je suis un peu enrhumé. Le comment s'appelle le gameplay, la première vidéo d'FS 19. Je vais l'acheter, vous inquiétez pas. Hein. J'achète tous les deux ans FS 17. Vous voyez, FS 17, la FS 19, FS 21. Vous voyez, chaque fois, sauf que la différence c'est que la différence c'est que on continuera nos carrières sur la nouvelle version d'FS. Après on va voir, hein, faut attendre la première vidéo du jeu pour qu'il nous donne envie de l'acheter. Parce que pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc. Je fais un troisième détourage. Et je mettrai bien un ouvrier. Mais comme on a dit, un ouvrier, c'est toujours con. Bon, ce sera moi qui va faire le. Alors là, je change le tracteur. Je change de véhicule. Voilà. Bon voilà, il a 2 heures le véhicule. Il ne va pas aller ailleurs. Donc voilà, là on a ce que ce tracteur pour l'instant. Hein. Lui par la suite là je vais le garder un petit moment, mais on le changera. Parce que là c'est une grande map, donc c'est avec des grands champs, je veux dire, une map avec des grands champs. Donc du coup on va acheter pas mal de matos qui va être approprié à la map. Voilà. Donc là on a que 22 000, hein, c'est une petite carrière pour s'avancer petit à petit. Là je vends un peu de blé parce qu'on va s'acheter le tracteur. Nous. Donc pas dans cette vidéo. Peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Me faire pas mal de blé, hein. J'ai quand même, bon, j'ai vendu 2 bennes, mais là on verra. Là je vais vendre une, là j'ai vendu une benne, là on va vendre une deuxième benne. Donc voilà. Donc demandez-moi jamais dans les commentaires d'acheter ci, d'acheter ça, c'est une carrière no cheat. Parce que j'en vois qui comprennent rien dans les vidéos. Hein. Ils voient la vidéo au début, puis ils se battent. Ils mettent juste en commentaire, voilà. Il met juste en commentaire, tu peux acheter ci, tu peux acheter ça. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vous explique tout. Parce que même en live, on me le dit. C'est bon, moi je dis, on verra, parce que on sait pas combien ça va coûter le matos. Hein. Vous croyez que je suis une partie cheatée, mais non, moi c'est une carrière no cheat, j'ai voulu faire une petite carrière no cheat tranquillou. Hein, me refaire un peu parce que les parties de cheaté c'est vite lassant, hein. Là on s'en lance un petit peu moins, même si fait ça me lasse un peu. Donc voilà, là on va faire le petit bout de ligne et on va se quitter là pour cette vidéo. Ça fera une petite vidéo de 15 minutes tranquillou. Voilà, on va être un petit peu plus longue un petit peu parce que moi sur mon
chronomètre de mon portable, j'ai 15 minutes qui s'affichent maintenant. Vous aurez peut-être 16, 17 minutes. Hein. Là, l'autre fois, c'était 10 minutes. Hein, je m'en excuse. Hein. Mais on se rattrape. Donc voilà. J'aurais pas mal avancé. De toute façon, cette moissonneuse, je ne vais pas la garder longtemps. De toute façon, une massée. Voilà. Et on a vite du rendement. Hein. J'ai le airtrack, mais comme c'est les champs de base au début, le gars a mis pas mal de rendement, je trouve. Puis peut-être c'est comme j'ai une barre de coupe plus petite aussi, ça fait que j'ai plus le temps de faire le champ. Alors, le portable, c'est encore machiné. Donc voilà. Je vais la préparer de ce sens-là, tout prête. Donc voilà. Donc voilà, donc nous on va se quitter sur cette vidéo. Hein. Je vous aurais fait une petite miniature. Merci le truc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire positif ou négatif. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Tout est dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter. Voilà. Et n'hésitez pas à venir dans l'entreprise ETS2, donc Truckbook. Et n'hésitez pas à faire un don si vous avez envie. Donc nous on se retrouvera très vite pour une vidéo. Et je vous dis à ciao!